Bonsoir à tout le monde. C'est un moment très agréable pour moi, je crois. J'étais déjà venu ici, à Pointe-Noire, sur cette même scène. Et c'est toujours un immense plaisir d'être là dans cette salle de Chikaya Outamsi. Chikaya Outamsi, les Congolais savent très bien qui c'est. C'est sans doute un des plus grands poètes de l'histoire de la littérature congolaise. Presque le père fondateur. Et derrière lui, il y en a eu d'immenses. Et encore des poètes vivants qui sont la mémoire incroyable du Congo. Et c'est donc à ces poètes, à ce père, à ce grand-père de Chikaya Outamsi, que je demande la permission de prendre la parole. Et voilà que cette parole, je l'ai conquise. Et alors maintenant qu'elle gît à mes pieds, prête à s'évanouir et à se dissiper à nouveau, eh bien je ne la convoque qu'avec circonspection. Je dois vous parler. Je dois vous parler car seule la parole demeure. À vous, mes sœurs, mes frères, mes pères, mes mères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes aïeux. À vous, habitants de ce vaste continent. À vous qui avez franchi les mers et repris souche ailleurs. Cette parole est un lait jailli du pis de la vache. Elle n'y retournera pas. Ancêtre de Djaniou, de Nyamunzi, du Congo, du Burkina Faso, veillez sur elle afin qu'elle ne périsse jamais. À Zania, Abyssinie, Zimbabwe, Congo, Oubangui, Chari, Cyrénaïque, Rwanda, Rugari, Monfako, Virunga, Kenya, Tchad, Mali, Mandé. Ashanti, Amazigh, Mossi, Baluba, Aoussa, Yoruba, Fulani, Wolof, Senufo, Bantou, Bassa, Berbère, Mandinka, Nuba, Zulu, Xhosa. Habitants de Serekunda, de Sousse, de Bobo Dioulasso, de Mopti, de Durban, de Dar es Salaam, de Constantine, de Lumumbashi, de Gaborone, de Benghazi, de Karabane, du Caire, de Brazzaville, de N'Djamena, de N'Goma, de Pointe-Noire, Mbote. Il n'y a que ceux et celles qui vivent au bord d'une route ou d'un fleuve ou d'une mer qui savent ce que c'est partir. Prendre le large. Et c'est dans l'ordre normal des chemins de l'humanité que de devoir un jour partir de chez soi. On peut partir de chez soi pour quitter une vie monotone. On peut partir de chez soi pour fuir un pays qui s'arrête d'être un pays. On peut partir de chez soi aussi pour fuir une classe politique véreuse et qui décide ici de qui peut mener une vie décente. On peut partir pour s'échapper d'une hypocrisie sociale, d'une gérontocratie étouffante ou des horizons amurés, un avenir barré. Enfin, vous voyez bien qu'il y a mille et une raisons pour chacun d'entre nous de partir. Et chacun d'entre nous est déjà parti une fois de chez lui. Moi, pour ma part, je suis parti à cause d'un regard.
Oui, parce qu'avec les années, l'admiration de ma femme, Koura, s'était envolée. Et peut-être même l'amour avec. Parce que la vie étriquée que je lui offrais ne lui convenait plus et je le voyais. Madame, je le voyais dans son regard éteint lorsqu'elle me dévisageait en se demandant « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire de lui ?» Elle me gardait à ses côtés par loyauté ou peut-être même par habitude. Vous savez, comme on conserve un fardeau dont on ne sait comment s'en débarrasser. Et moi, j'avais perdu jusqu'au souvenir même de sa tendresse. Et alors, elle n'osait plus assister au mariage du quartier parce qu'elle disait « Mais... je serai obligée de porter la même tenue qu'il y a 2 ans. À quoi vous sert un mari qui ne peut même pas vous embellir les jours de fête parmi vos amis et vos rivales ?» Donc il fallait partir. Alors un matin, dans la grisaille de l'aube, j'embarquais. J'embarquais dans une de ces rochas, sur une des côtes de l'Afrique, vous savez, comme jadis nos aïeux. Mais cette fois-ci, nul ne m'y avait obligé. Je mettais ma vie dans la balance. Et je ressentais l'excitation et l'exaltation de celui qui va à la conquête de quelque chose. Vous savez, oui, risqué. Risqué de tout perdre. Mais sentir en soi des forces se lever. Un désir qui gronde, le cœur qui enfle, qui palpite, des énergies endormies et qui se réveillent. Le sentiment de vivre. Alors, après une incroyable odyssée digne de celle d'un Bakari de voguant vers les Amériques, la mer me vomit un matin sur une plage, la Méditerranée. Bon, la pudeur m'empêche ici de vous raconter tous les détails de mon aventure. Ah ben oui, parce que j'ai connu les prisons. Vous savez, les prisons de la ligne de démarcation qu'ils appellent les centres de... Aidez-moi. Les centres de quoi ? Les centres de rétention. Voilà. Et puis le travail au noir dans les haciendas, dans le sud de l'Espagne, l'errance sur les routes entre la Grèce et l'Italie, s'accrocher à un camion qui roule à tombeau ouvert et qui freine brusquement sur l'autoroute pour faire tomber d'éventuels clandestins, et peu importe. Si leur tête éclate sur l'asphalte. Et puis il y a les chiens des policiers de Calais, la traversée des Alpes, les longues nuits dans le froid sous une tente de fortune, les queues pour un repas chaud servi par une association, et puis il y a les bagarres, les vols, les humiliations des polices européennes racistes. La condescendance de la structure d'accueil et l'âpreté. L'âpreté de leurs administrations. Non, je connus la nature des relations entre les peuples. La vraie, hein? Oh, pas celle que proclament les discours sur la fraternité et les droits humains. Et j'ai compris. J'ai compris qu'aucune dignité ne pouvait se conquérir dans l'arrière-cour des autres. Qu'en quittant un lieu ou personne ne conteste la légitimité de votre présence pour un lieu où on ne vous souhaite pas, vous pouvez devenir le déchet des autres. Alors il me fallait rebrousser chemin. Rentrer chez moi, retrousser les manches. Parce qu'en réalité, en partant, nous avions tous consenti à maintenir en vie
Le système même qui nous opprimait et nous souhaitions juste changer, oui, de place à l'intérieur de celui-ci, nous ne le remettions pas en cause. Être méprisé du dedans, chez nous, ou du dehors, chez les autres, c'est devenu notre lot quotidien, nous, la horde vitale. Mais bon, au-dedans, au moins, à la maison, chez nous, dans nos pays, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour planter nos pioches. Alors j'ai décidé de ficher la mienne ici. Ici, sur cette terre rocailleuse par endroits, mais fertile par d'autres. Mais avant cela, j'ai souhaité vous parler. À vous, peuple des premières aubes. J'ai décidé de vous adresser cette parole dont les mots furent arrachés aux hivers et à la poussière du chemin. Minata. Nous avons trop longtemps séjourné dans la faille. Et pourtant, nous venons des hauts plateaux, là où l'air dresse les oreilles et où la lumière plisse les yeux. Un jour furent l'eau, la terre, le vent, le feu, le souffle, colonne d'air dans un corps redressé, et Unan, la première femme de l'humanité. Au seuil de l'étonnement, médusée par tant de beauté et de luxuriance, ses premiers pas hésitent, puis elle les pose, l'un après l'autre, et ouvre les chemins qui depuis sont devenus les nôtres. Minata. Et l'aïeul accepta le souffle, l'accueillit dans sa gorge et le laissa aller le long de son thorax. Elle consentit ainsi à la vie, puis elle la nourrit, elle la sema, elle la dissémina. Et elle le fit pendant plus de jours que ne peuvent durer le chant des labours. Et Unan, la première femme de l'humanité, rencontra Toumaï, le premier homme de l'humanité, et ils firent peuple. Et ce peuple-là habita le continent africain. Il sema la vie. Et puis franchit les estuaires et les mers et peupla le monde. Donc cette terre-là fut celle de l'aube de l'humanité. Et le temps passa. Et les années passèrent. Et le peuple se fit nation. Les nations défrichèrent les terres, semèrent, domptèrent le fer et la mort qui rôdaient, explorèrent les lointains et portèrent la vie jusqu'aux confins des Indes, des Asies, des Amériques, de l'Europe, de l'Océanie, des glaciers de l'Arctique. Les nations édifièrent des cités
y fortifièrent le souffle, rendirent grâce aux ancêtres et aux dieux, préservèrent des savoirs précieux, enfantèrent des femmes et des hommes qui vécurent, luttèrent, aimèrent, moururent, puis revinrent à la vie, habitèrent à nouveau des corps et à nouveau passèrent. Et la vie s'écoula, longue et impétueuse. Les jours alternèrent leur gloire et leurs éclipses. Un long temps passa où les nations explorèrent l'immensité du continent et l'habitèrent, et s'attelèrent à tisser le lien et la parenté. Ils raffinèrent leurs arts, polirent leurs signes, songèrent à leurs mythes, accrurent leur sagesse et apprirent à connaître et à faire communauté avec l'ensemble des vivants. Ayant pris forme animale ou végétale, avec lesquels ils partageaient les fleuves, les montagnes, les sources et les forêts. Et un long temps passa. Alors puis un jour, les nations du continent africain rencontrèrent d'autres peuples. D'autres peuples. Mais est-ce que c'était vraiment d'autres peuples? Non. Parce que c'était les descendants lointains de ceux qui avaient quitté le berceau. Mais ceux-ci ne reconnurent pas toujours leur visage d'hier et se présentèrent en étranger, en conquérant. Alors vint le temps des cyclones. Le ciel dans sa longue marche s'assombrit. Guerre, fratricide, razzia, commerce d'hommes, de femmes et d'enfants. Et les masques se turent. Les rituels ne captèrent plus la puissance des dieux. Une horde d'aventuriers aimantés par ses richesses s'abattit sur le continent comme une pluie de criquets. Déportation, passage du milieu, mise en servitude, pillage. Et ils s'associèrent. Ils s'associèrent à des rois vénaux, désirés de se débarrasser de leurs captifs de guerre et de leurs rivaux, attirés par des fusils, des liqueurs fortes, des étoffes de luxe, la poudre, les cories. Et toutes sortes d'individus ombrageux, issus de nos propres rangs, mes frères, ont participé. À cette ignoble entreprise des hommes, des femmes et des enfants contre des étoffes et des liqueurs. Des hommes, des femmes et des enfants contre des épices et des pièces d'or. Et peu de temps après cette saignée, ben, les prédateurs sont revenus, drapés du discours sur la civilisation et les lumières. Et le continent se vida d'une partie de sa sève. Celle-ci alla irriguer une terre au-delà de la grand-mère que les aventuriers appelèrent le Nouveau Monde. Son ventre béant offrit son sang à la croissance d'autres contrées. Vous savez, les plantations de coton, de canne à sucre, n'est-ce pas ? Au Brésil, en Caroline du Sud, fleurir de ce commerce d'hommes, de femmes et d'enfants contre des étoffes et des liqueurs, de ce commerce d'hommes, de femmes et d'enfants contre des épices et des pièces d'or. Et l'Europe s'est enrichie
de ce funeste commerce. Et ceux qui sont revenus avec le discours sur la civilisation et les Lumières, mais ne voulaient que l'or, l'ivoire, les terres, les minerais, les hommes valides pour leur guerre, les matières premières pour leurs industries. Et ils souillèrent les terres sacrées, saccagèrent les cultes, interdirent les langues des aïeux, vidèrent la tête des enfants, dépossédèrent les peuples de leurs noms, subjuguèrent par la sophistication de leurs outils, scellèrent les savoirs ancestraux dans le mépris et l'oubli, érigèrent l'inhumain et lui dressèrent des autels. Ah, le Seigneur était leur berger, ils dévastèrent nos verts pâturages. Ils ont bâillonné les dieux du Panthéon et notre grand esprit Shango se tue et le dieu Lebga n'ouvrit plus alors les chemins. Ah, je vois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais bon, tu nous parles comme ça, mais quand même, nous avons essayé de résister. Nos peuples résistèrent. Dites-moi, nous avons résisté? Vous n'avez pas l'air convaincu. Oui, c'est vrai, nos peuples résistèrent vaillamment, mais finirent par être vaincus. Vulnérables qu'ils étaient, affaiblis par des querelles intestines, une fraternité et une confiance perdues. Depuis que durant les traites, la vénalité aussi avait dressé le frère contre le frère. Le frère contre le frère. La fissure était là. Elle était là, prête à creuser sa propre béance. Et la faille s'est installée. Et après que la faille se fût installée, le continent, comme un enfant malade, vit débarquer à son chevet toutes sortes de mages, des médecins à la science douteuse, des magiciens exaltés et costumés, la statistique en bandoulière et les vérités encapsulées dans des tableurs et des slides de des PowerPoint là. Oui, après qu'ethnologues et anthropologues eurent entrepris par le passé afin de le livrer aux braconniers et d'étudier les mœurs de sa population, leur culture ou encore la supposée radicale altérité de son humanité, voici qu'après tout cela débarquèrent sur son sol ceux que vous appelez les oh, ce soir ça ne va pas, j'oublie tellement mes mots, les humanitaires là. Les agents de développement, les vendeurs de songes, les turiféraires du progrès, les banquiers, les usuriers, les prédateurs multinationaux organisés en pieuvre et qui sondaient ses sous-sols, sa faune, sa flore, ses mers, en extrayaient le minerai, les richesses la plus-value, les transformaient en cash flows qu'ils allaient planquer dans des paradis dits... C'est pas moi qui ai dit, hein. Bah oui. Parce que la maladie qu'on lui trouvait à ce continent était si sérieuse qu'il fallait tout ce beau monde-là pour en venir à bout. Et cependant, le regard oblique de ces détrousseurs n'avait pas omis de remarquer au passage que le ventre du continent était toujours fécond. Que les fruits de ses entrailles gorgés de sucre rougissaient au soleil. Oh, scandale géologique! Tant de richesses sur cette terre, sur une seule terre, miracle des dieux! Je n'ai pas nommé quelqu'un. Et c'est là que l'on conseille au continent de se défaire de ses vieilles peaux, de ses mythes éculés, de ses traditions d'un autre âge. Son humanisme stérile. On lui suggéra d'imiter les nations au septentrion qui, eux, avaient dompté le feu de l'atome et qui savaient qu'en ce temps-là, le commerce, c'est la ruse et c'est le vol. Et que dans les temples du savoir, le seul enseignement qui devait valoir est celui de l'art de la rapine. On lui dicta d'oublier ses vieilles valeurs communautaires et d'épouser
l'égoïsme rance de l'époque, de s'armer aussi, de s'armer de cynisme et de battre le feu avec le feu. Parce que ces mages venus du Nord avaient la prétention de savoir ce qui convenait le mieux aux autres, puisque leur songe et leur savoir étaient universels. L'Afrique envoya, elle aussi, ses enfants jusqu'aux confins des mondes apprendre, eux aussi, à dompter les feux et à maîtriser les secrets de toutes les subjugations. Vous savez, l'art de la rapine, le mensonge d'État, les fourberies diplomatiques, le jeu des intérêts bien compris, les alliances stratégiques, etc., etc., etc. Il fallait bien. Il fallait bien qu'elle se conciliât les armes qu'il avait vaincues, qu'elle les apprivoisa, et que peut-être même si nécessaire, un jour, elle puisse les retourner contre leur géniteur. Et pour se prémunir de ce monde-là, il fallait en connaître les ruses et les arcanes. Et le continent mit des siècles à se remettre de la saignée. Et le temps passa. Et puis, la germination. La germination reprit, lente, patiente et entêtée. Le sang retrouva son corps et son chemin et irrigua à nouveau le corps endolori, parce que la vie renaît toujours. La vie renaît toujours. Et aujourd'hui, sa sève coule à nouveau dans le ventre du continent, dans les veines du continent. Sa vitalité retrouvée palpite au cœur de ses villes et de ses campagnes. La force vive du monde, sa jeunesse se lève sous ce ciel que toisent les cimes du Kilimandjaro. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Et du cœur d'Azania, d'Ifriqiya, d'Alkebulan, des contreforts du Fouta Djallon, des plaines du Natal et des berges du Congo, monte ce chant. Nous étions, nous sommes, nous serons. Nao Naye Mata. Nao Naye Mata. Yele. 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 Nao Naye Mata. Nao Naye Mata. Yele. Yele. Vous avez dit développement? Non, j'entends parler développement, développement. Oui, mais développement de quoi? Non, ou développement de qui? Non, parlons. Parlons de vie, d'intensité, de plénitude, de complexité, de beauté, de dignité du quotidien. Bien sûr, les arbres grandissent. Les graines enfouies mûrissent. Les peuples croissent. Les groupes humains se déploient et se multiplient. Les vies humaines s'épaississent. Mais les nations, elles ne se développent pas. Elles font l'expérience de leur histoire, de sa densité, de sa texture, de ses méandres. Elles sont, elles deviennent, elles grandissent, elles mûrissent, elles déclinent, elles se régénèrent, elles existent et font trace. Nao Naye Mata. Nao Naye Mata. Yele. Oh yele. 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 Sous-développé. Mais comment est-ce que nous avons même pu accepter d'être désignés comme ça?
Non, sous-développé comme pour dire, ah oui, pas assez constitué. En deçà de sa vraie taille, de son véritable poids, à côté de son vrai ritou. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la violence que cela constitue de nommer tout un continent sous-développé? Oui, comme qui dirait brinque-ballant, impotent, informe, claudiquant, pas arrivé à maturité. Mais rien sous ce ciel qui n'ait atteint sa plénitude, sa puissance, sa forme, sa beauté, sa perfection. Pas même le rire, pas même l'amitié, pas même le ciel qui irradie, pas même la douceur du soir qui tombe sur les villes et les campagnes, pas même la force, pas même l'intelligence sociale, pas même le regard sur la vie, pas même la sociabilité, pas même le lien, pas même la fraternité, pas même la relation, pas même l'humanité, pas même le rouge vif, pas même le kaolin du blanc, pas même la mousse de l'écume, pas même le bleu de la mer. Nao nae mada. Nao nae mada. Yele. 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 Oh yele. Yele. Nommer ainsi toute l'Afrique qui accueillit la vie, prit soin d'elle et la répandit sur toute la surface de la terre. Et tout ceci parce que certains de nos frères ont décidé que l'on pouvait nommer autrui négativement, en le dépréciant, qu'on pouvait le nommer en creux, qu'on pouvait le nommer en le désignant par ses hideurs et non par ses beautés, qu'on pouvait dire de lui qu'il était laid, juste pour pouvoir se désigner comme étant le plus beau. Et certains de ses frères, parce que ce sont nos frères, ont décidé que le plus vil, le plus clinquant, l'espèce la plus chonnante, était devenu la mesure de toute chose. Le gris du métal, le jaune de l'or, le suintant du pétrole, le dru de l'asphalte et du béton. Ces choses-là qu'ils appellent richesse et qui finalement ne disent que la peur de manquer, la peur de ne pas en avoir assez, au point de spolier tout cela qu'ils croisent sur cette planète, au point de creuser comme des forcenés le ventre de la terre et de suffoquer la terre, de sucer son sang, de polluer son air, de ne pas lui laisser le temps de respirer, de se régénérer et d'offrir à tous et à toutes les fruits de ses entrailles. Ah là, c'est étrange. Ce sont les détrousseurs qui ne connaissent de richesse que le clinquant du métal qui nomme les autres pauvres. Ce sont les détrousseurs qui nomment pauvres ceux-là même qu'ils ont dépouillés. Hey, papa. Et nous avons accepté. Nous avons accepté cette appellation. Nous avons accepté d'être désignés par des âmes arides et des cœurs avilis. Nous, les ombres et la lumière de la terre. Nous qui portons en nous ces germes et ces floraisons, nous dont les vies sont riches, belles et dignes. Oui, difficiles, difficiles parfois, pour que nous puissions trouver en elles les chemins de croissance. Mais nous dont l'expérience est profonde, nous dont le verbe est fécond, nous dont les visages scarifiés perlent de la sueur de nos incessants labeurs. Nous qui transmettons depuis Hunan le souffle vital au monde,
Nous qui tenons ce tison qui jamais ne s'est éteint, nous, pourvoyeurs de la grande offrande des signes devant laquelle terres arables, richesses et coltans ne sont rien. Notre nom est ombre, nuit, ouragan. Mon nom est vie, beauté, lumière. Mon nom est Tanzania, Sahara, Al-Kibulan, Ifriqiya, Ghana, Mandé, Zimbabwe, Sonrai, Lesotho, Swaziland, Madagascar, Zanzibar, Congo, Monfako. Mais mon nom est Ashanti, Ashanti, Mossi, Baluba, Haoussa, Yoruba, Fulani, Wolof, Senufo, Bantu, Bassa, Berber, Mandinka, Nuba, Zulu, Sosa. Mais il faut tourner la face au soleil. Il faut tourner la face au soleil. Parce que cela fait longtemps que nous nourrissons l'âme et le corps du monde. Que nous le faisons, même lorsqu'on nous ôte le pain de la bouche. Et ce don auquel nous ne consentons pas est la part faible de notre générosité. Nous ne devons plus accepter. Nous ne devons plus accepter d'être ce champ du monde que l'on dévaste. Cette mine que l'on exploite et qu'on ne laisse exsangue. Cette rivière que l'on assèche après en avoir bu l'eau. Cette forêt dont on coupe les arbres après s'être abrités sous leur feuillage ombrageux, nous ne devons plus accepter. Nous ne pouvons plus accepter d'être ceux que l'on insulte, méprise ou avilie sous tous les cieux, ceux à qui il est naturel d'accorder la pitié. Ceux à qui l'on fait offrande grise de la compassion, alors que nous habitons les pays de la noblesse et de la dignité. Il s'agit pour nous, enfants de Hunan et de Toumaï, de tourner à nouveau nos visages vers le soleil et de nous y abreuver. D'habiter ces gisements de vie, de force et de lumière. Mais pour cela, il faut... Nous ne devons plus consentir à aucune forme de violence, d'où qu'elle vienne. Qu'elle sorte de l'intérieur de la palissade, au cœur de la maison, ou qu'elle émane du dehors. Parce qu'il s'agit pour nous de ne plus collaborer. Ne plus collaborer à notre propre asservissement, nous dresser contre lui. Comme là-bas, dans le Wallo, Ndateyalla, dans les artères de Kansala, les Niancho, comme à Al-Muqtara où les anges brisèrent leurs chaînes en 869 lors de la première révolte des esclaves noirs en Irak, comme en 1803 à la bataille de Vertières où les combattants de Haïti, terre des hautes montagnes, défirent les troupes de Napoléon. Oui, oui. Haïti, là où la négritude se mit debout et crut en son humanité. Comme à Adwa, en 1896, où les Éthiopiens bottèrent les fesses aux Italiens. Nous dresser comme un seul tronc. Albertine Sisulu, Lumumba, Niobe, Wangari Maathai, Aline Sitoé Diatta, Isidore Noël Thomas Sankara, Amilcar Cabral, Rolihlahla Nelson Mandela, Mohamed Bouazizi, nous dresser comme un peuple sur l'avenue Habib Bourguiba, un 14 janvier 2011,
comme un peuple, sur la place Tahrir, un 25 janvier 2011, comme un peuple, à Ouagadougou, un 30 octobre 2014, comme un peuple, à Brazzaville, comme un peuple, à Kinshasa, à Limete, à Matongé, à Lubumbashi, à Goma, à Douala, comme un peuple, à Lomé, comme un peuple en devenir, nous dresser face à l'ombre et à la nuit, nous dresser et chasser ces pantins désarticulés par une longue courbette de la pratique de la dignité. Ces ombres qui font même basse sur nos richesses, pire sur notre dignité. Ces pantins qui nous trahissent, avilissent nos enfants en les privant de soins, des semences de l'âme et de l'esprit. Ces rongeurs qui pourrissent toute graine semée. Ces ombres qui font même basse sur nos richesses, pire sur notre dignité. Nous dresser et les chasser de ces trônes qu'ils usurpent, ils n'en sont pas dignes. Mais pour que la vie reprenne et que la rivière coule à nouveau, il nous faut dégager, désobstruer tous les chemins. Et vous le savez. Et attention, on ne retournera pas en Égypte. Non. On ne retournera pas en Égypte. Nous ne remonterons pas à la surface comme les saumons se feraient un chemin vers l'origine. Et peu importe d'ailleurs où nous la situons, cette origine. C'est la vallée du Nil. C'est le Ouagadou. C'est l'Abyssinie. C'est le lac Tanganyika. Le Mayombe. Non. Elle est à jamais perdue. Elle s'est enfoncée dans la nuit du temps qui passe et érode les jours. Nous ne retrouverons pas la gloire de Cancan Moussa, l'érudition de Tombouctou, la paix de la Zitouna, ou la dextérité, ou la sagesse d'Ifé. Nous ne retrouverons pas les fastes du Ghana et du Sonrail, la fureur de Chaka, la ferveur et les arcanes des prêtres d'Égypte. Pourquoi? Mais parce que les jours ne reviennent pas. Les jours ne reviennent pas. Ils emportent avec eux leurs songes gris et lumineux. Et pourtant, nous devons marcher. Faire le deuil de la nostalgie et hâter la venue du jour inexorable qui monte. Parce que la source est une terre que l'on porte en soi. Elle nous habite et sa cisaille indélébile nous tenaille. Elle ne saurait s'assécher. La lumière atteinte ne se perd jamais. Elle se condense. Elle niche dans le verbe. Elle habite la sève de la nouvelle pousse. Et c'est une puissance. C'est une puissance
vibratoire. Un chant qui, patiemment, remonte à la surface. Un fragment phosphorescent qui témoigne de la présence de ce qui n'est plus, diffracte sa lumière et s'insinue. Elle est une trace qui persiste. Et au bout de sa combustion, elle ne garde que le reflet mordoré de la lumière enfin trouvée. Et de toute mort et de toute putréfaction, elle fait vie et semence. Et de l'énergie, elle ne libère que la part qui irradie. Et la trace est dans le chant de gloire des Nyancho du Gabon. Elle est dans les mélopées qui disent l'honneur des femmes de Nder. Elle est dans la révolte des nègres marrons et dans les énigmes du conteur. Elle est dans la force et la beauté toujours renouvelée de la jeunesse. Et que dit la trace? Elle nous dit d'être à nouveau dans la plénitude de la force et du rire. De guérir de l'offense et d'édifier le jour qui vient. Elle nous dit de nous réhabiliter et de sortir du regard vicié sur soi, de nous réconcilier avec nous-mêmes. Elle nous chuchote que l'oubli est parfois le compagnon de la guérison. Elle nous dit que marcher, c'est élargir, les horizons. Elle nous dit de renaître complètement. Et pour renaître complètement à notre puissance, il nous faut à nouveau nommer notre monde. Parce qu'en le faisant, nous lui ferons habiter un autre temps, un autre lieu et d'autres songes. En disant notre désir et notre force, nous les ferons advenir. En forgeant nos mythes, nous les mettrons en marche. Mais pour cela, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, il faut surtout que nous sortions de cette fameuse croyance qui nous a été inculquée pendant des siècles que nous sommes malades. Est-ce que nous sommes malades? Non. Bon, vous n'avez pas l'air convaincu, donc ça va. Non, c'est vrai. Nous ne sommes pas malades. Oui. Ni perdus, ni errants. Ni damné. Le seul rendez-vous auquel nous devons nous hâter, c'est celui-là que nous nous sommes fixés. Mais avec la meilleure part de nous-mêmes. Parce que finalement, notre seule faiblesse, ben voilà, c'est d'ignorer nos forces. Hey, I'm a little bit.
Non, l'Afrique sait. L'Afrique sait qu'il doit ouvrir un temps nouveau. Et la première puissance que nous devons recouvrer, c'est celle de nous soustraire de la volonté des autres. Et cela s'appelle la... Ah ben quand même. Et cela s'appelle la liberté. Et la liberté doit devenir notre passion. Nous devons choisir et établir les modalités de notre présence au monde, le réenchanter, mais en y apportant notre part de rêve, et nous tenir debout, et restituer au monde sa complétude parce qu'il lui manque quelque chose, en relevant un des piliers de sa bâtisse. Mais pour cela, il faut nous souvenir. Souvenons-nous. N'avait-il pas enseigné dans un songe qu'il fallait également apprendre l'art de subjuguer les corps et les esprits? Et de le mêler à la sagesse qu'ils avaient conservée dans des alcôves en attendant que passe le temps des cyclones? Mais de quoi s'agit-il? Un savoir issu de l'écoute et du dialogue avec l'ensemble des existants avec qui il partageait la terre. Ne nous l'ont-ils pas dit? Il faut nous souvenir. Les aigles enseignent la longévité. L'autruche, la protection du nid abandonné. Les crustacés, la réverbération et le franchissement des courants sous-marins. Nous devons réapprendre ce que nous avaient enseigné les crues du Nil, des courbes, des lignes et des volumes, des pierres dressées en pyramide et de la stabilité des édifices, de la conservation des corps et du mouvement même des astres. Et nous ne devons plus seulement être contre. Peu importe d'ailleurs le nom que nous donnerons aux avatars de la prédation et de la domination, parce que tant que nous ne serons que contre, eh bien, celle-ci perdurera. Parce que pour se conserver, elle vampirise l'énergie que nous lui opposons. Il faut être à côté. Il faut être ailleurs. Il nous faut ouvrir un nouvel espace. Il nous faut être pour quelque chose de plus grand. Pousser l'humanité encore plus loin. Et ne pas seulement rétablir, mais élargir. Approfondir la source de la vie, ne pas apaiser son tumulte, mais affiner la qualité de la vibration.
repousser l'horizon de la lumière. Et c'est pour cela que nous avons besoin de notre jeunesse. Oui, la jeunesse du continent est courageuse. Elle est créative. Elle est fougueuse. Elle ne se résigne à aucune fatalité qui lui est faite. Elle est déterminée. Déterminée à se frayer les chemins, même où, là où les passages lui sont interdits aujourd'hui. Et on le voit par les mers, dans le désert, aux portes des barbelés. Elle les ouvre aujourd'hui. Mais malheureusement, sans les béquilles du dieu Legba, qui désormais s'est assis. Et mes frères, mes sœurs, chers amis, laissez-moi vous dire, cette jeunesse se trompe. Elle se trompe de combat. Elle se trompe de querelle. Elle se trompe de champ de labeur en pensant que sa paix se trouve ailleurs. Mais son Orient est ici. Sur cette terre qui n'attend que son ardeur pour être fécondée. Son Orient est ici, dans ces prés-là, où la vie palpite et demande seulement qu'on la porte à incandescence par le rêve, l'élan et le labeur. Son Orient est ici, sur ce continent. Et s'y trouve sa dignité et sa pleine humanité et sa tâche, c'est la restaurer, c'est la cultiver. Et croyez-moi, en le faisant, c'est elle qui va lever ce soleil. En le faisant, elle sèmera une conscience neuve pour elle-même, mais aussi pour tous les enfants de Hunan et de Toumaï à travers la planète. Chers ancêtres qui nous côtoyaient, chers esprits dont la bienveillance nous surplombe, eh bien, voilà. Voilà les paroles que je désirais vous adresser ce soir. Puissent-elles demeurer dans vos cœurs. Vous savez, la vie passe, messieurs. Mais vous et moi, nous sommes là. Nous sommes là pour en prolonger la trace lumineuse. Puissent les bras se lever à nouveau et puis vous ouvrir les chemins.
Merci beaucoup.